Alors, on va aller chercher la palette des formes qui, si elle n'est pas déjà sur l'écran, voilà, elle était à côté de la palette nuancier. Et on va sélectionner toute notre branche avec ses feuilles, voilà. Tout ça, on va le déplacer dans la palette des formes. Vous prenez ça, vous le déplacez dans la palette des formes. Et vous avez une boîte qui apparaît et qui vous demande ce que vous voulez faire, forme diffuse, artistique ou de motif. Mais dans ce cas-ci, on fait une forme artistique, donc il faut choisir forme artistique. Alors vous remarquez que notre feuille, on l'a faite en horizontale. On ne l'a pas faite en diagonale, notre branche. Si la feuille est en diagonale, mais la branche, elle est horizontale. Quand vous faites une brush, il faut absolument la faire caler sur les axes, soit verticale, soit horizontale. Parce que voilà, dans les options qui apparaissent ici, vous avez ceci qui vous demande le sens de la brush. Quand vous tracez au pinceau, dans quel sens elle se dessine. Et vous voyez qu'on n'a pas le choix de diagonale. C'est soit vertical dans un sens ou l'autre, soit horizontal dans un sens ou l'autre. Bon, alors apparemment, ceci c'est bon. Horizontal vers la droite. Voilà. On peut la renommer, mais sinon par la suite on peut encore la nommer. Branche. Je vais appeler branche 1. Voilà. Ne commencez pas à chipoter dans toutes les options, ça va nous ennuyer. On clique sur OK. Et qu'est-ce qu'on voit? La brush artistique qui s'est ajoutée ici. Bon, elle est un peu différente, elle est un peu écrasée, c'est pas grave, c'est juste la vignette dans la palette des formes, ça. Alors attention, si vous cliquez dessus, elle va s'appliquer sur vos feuilles ici, sur vos branches. Ça fait un truc tout à fait bizarre. Ça n'a aucun intérêt. J'annule. Mais c'est logique, hein. Vous avez plein de formes, vous lui appliquez sur les contours là, de toutes les feuilles, vous appliquez cette branche. Et voilà le truc bizarre que ça fait. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. J'annule. Alors, en principe, on peut tout supprimer de l'écran. Et on va tester cette brush avec l'outil pinceau. Allez-y, vous tracez. Voilà. Vous voyez que si vous la faites courbe, ça va suivre la courbe. C'est le principe de la forme artistique. C'est assez génial, ça. Bon, j'essaye sur le côté, c'est pas grave. On peut travailler sur le côté de la feuille dans Illustrator, c'est pas un problème. Sur le côté du plan de travail, je veux dire. Bon, si je la fais en tout petit, évidemment, ça fait un truc foireux. Si je la fais trop longue, ça devient foireux aussi. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette brush avec cette longueur d'origine, elle est faite pour être utilisée à peu près à cette longueur-là, quoi.